Alléluia. C'est tout cela que je vais vous enseigner. Faites de vous des hommes puissants. C'est à quoi quoi des femmes puissantes. On ne va plus jouer à vous. C'est pas possible que quelqu'un vienne jouer à vous. Amen. Amen. Est-ce que c'est un peu clair dans l'oreille des gens? Amen. C'est ce qu'ils ont étudié pendant ces jours. Ça, c'est l'introduction. Ils sont venus introduits. C'est un danger pour le royaume de Satan. Dis amen. Amen. C'est un danger pour le royaume de Satan. Amen. Parce que Jésus t'a tout donné. Il dit tout ce que tu lis à mon nom sera. Tout ce que tu délies sera délié. Je vous ai donné la clé du royaume. L'ajoutez là-dessus. Je vous ai donné la clé du royaume. Amen. Amen. Magasin de Marie, là, c'est dedans. Marie que tu veux avoir. Vous voulez maman bâton. Pouvez-vous jouer? Moi, je veux avoir tel mari. Et voilà, mais vous voulez avoir le mari. Un joli garçon, comme ça. Non, il dit, voici Marie qui je veux. Mais il en a rien, mon homme. Fais que l'éternel te délivre, te donnera ce que ton cœur désire. Amen. C'est ce que mon cœur désire, Dieu a me donné. Amen. Mais la voix, c'est la vérité. Non, Dieu n'a qu'à donner, je prends. Tu vas prendre quoi? Amen. Fais de l'éternel te délivre. Un gars bizarre, il va te marier. Il te résume. Toi, quand tu regardes, tu sais que lui, là, tu ne mets pas dans la même gamme. Mais moi, il est là. Quelqu'un qui fait taille haute. On vient pas dans le corps, là, pour qu'il y ait un peu. En 1965, on est plus bien calé. Il y a un gars comme ça, là, il a fait quoi? C'est la forme. Quoi, bah? Pantalon, là, on est ventilo. Il y a un pantalon comme ça. Taille haute. Toi, mais tu sais qu'il n'est pas de ton époque. Il est de la préhistoire. Qui devant moi? Moi, je connais ce qui me convient. Vous voulez jouer les super spirituels. Ça fait rien. Dieu n'a qu'à donner. Quoi, ça fait rien? Moi, je n'ai pas des yeux. Je connais ce qui me convient. Quand tu vas dans le magasin, tu ne connais pas ce que tu aimes. Tu ne connais pas ce que tu prends. Il y a des comédiens. Quand on va dans le magasin, moi, quand je rentre dans la race, Polo Rasse, je sais quel habit je vais payer. Amen. Quand il rentre chez Yves Saint Laurent, je sais quel habit il m'a payé. Quand il m'a payé Winston, je connais quel paye il m'a payé. Quand il dit non, Dieu n'a qu'à donner comme. Ceux qui portent ventilo vont venir. Pantalon, taille, on va venir. Chemise, on vient rentrer. Il ne connaît pas près du corps. C'est un gars bizarre. Ça fait 5 jours que je n'ai pas brossé. Assez en Christ, bonsoir. Toi-même tu as peur, tu dis Seigneur, pourquoi tu m'attaques? Toi-même tu crois que le Seigneur est en train de t'attaquer. Seigneur, pourquoi tu m'attaques? Seigneur, tu m'attaques. Oh, il est là, non, tiens, pour le nouveau Zen. Tu vois le pantalon du monsieur? Chimie. Gaïa comme ça. Il est un des pigeons. Chaussures là même c'est, on dit les bancales. Tout est cassé en bas. Ah bon, vous photos. Il dit non, il vit la personne, il est dans le désert. Quel désert? Ah mais, quand même, vous. Je ne suis pas prêt pour toi, s'il te plaît. Non, 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 on va pas du haut. Quand vous rentrez dans le magasin, vous n'avez pas que la vie, vous ne pouvez pas. Fais que l'éternel te délivre, il te donnera ce que ton cœur. Comme n'a pas Dieu. C'est qui tu veux là, tu connais pas? C'est toi qui a parlé dans vos foyers. Marie, quelqu'un qui doit mettre dans les mains. Il m'a dit, 60 poches. J'allais, et ta poche au bruit de ça. Et les gens, quand ils réalisent, toi-même là, couturier là, ils disent quitter ou pas couturier là. J'allais, c'est quel couturier tu as? Tu regardes,
quand tu regardes, tu dis, mais il a même la son coutine, c'est qui même. Mais alors, pour aller travailler, 60 poches. Mais pas de moi, je dis que je vais travailler, je vais encore là. On est pour être petit chef. Je n'ai pas de moi, je parle de travail. Toi, tu as dans un bureau, quelqu'un va te brancher. Mais on est quoi de bureau, mais on est plus à l'Ouvénia. Monsieur le gouverneur, il souffle, il est sorti du bureau. Je ne veux plus, monsieur les gardiens, je ne veux plus voir ce monsieur-là ici. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit permet de reconnaître le moine. Voilà, habillez-vous bien. Ça va dire que tu dois t'habiller bien et te donner conseil. Un enfant de Dieu doit être bien habillé. Et tout ça, je vous enseigne. Le pouvoir du ciel et le pouvoir de la terre. Je vous enseigne tout ça. Amen. Ce qui attire l'homme, c'est ce qu'il voit d'abord. C'est pour ça qu'il faut être bien. Il faut attirer les gens. Amen. Ça fait 5 jours sans dévorer. C'est pas pareil. Heureusement que très près est pité de nous, ça y a près de 50 francs. À mon malheur, très près. Ça y est pité de nous. Il y a plus 50 francs. Comment tu peux te brosser avec une dame? Et puis penser que ça fait brosse, tes dents. Les dents peuvent brosser. Mais il faut délivrer les gens. Pour pas que causer les gens, vos odeurs bizarres, vous les embêtez à ça. C'est tout ça que je vous enseigne. Le bien-être, ça va se prendre. Tout ça, c'est pour moi. Mais monsieur, quand il te voit, il est à l'aise. Tu ne veux pas que tu dis devant lui, tu sens bon. C'est plus cher, parfait, c'est moins cher. 500 tu peux avoir. Parfait, elle est bien grippée. À ce moment-là, c'est ça. Jacques Kaora, tu sens Jacques Kaora. Mais les gens, leur habillent les mains dans la cuisine. À moi, je suis d'abord dans la cuisine, je vais me traverser. Souris va aller faire des enfants des dents, tu vas avoir des problèmes. C'est là tu portes ça, tu vas aller saluer un préfet, souris est sorti. Ah oui. Tu vas te prendre pour un sorcier. Monsieur le préfet, allez souris ici pour commandant Djoko, allez souris ici, commandant. Chantant va te minuter. Lavez vos habits, ça fait quoi? Si tu ne laves pas, souris va venir dedans. Vous avez lavé ça? Les cafards vont danser dedans. Les gens n'aiment pas laver leurs habits. C'est des champions de cabri. Il y a des gens qui ne lavent pas pour dormir. Si c'est là le matin, c'est fini. Le soir, il n'a pas compté sur lui. Il ne faut même pas compter sur lui. Son cabri, il est clair. Tu viens de cabri. Il ne savait pas que c'est la nuit là qui est bon. Il y a toute la sueur là. Il s'est venu de ça la nuit. Les gens, soyez quand même propres. Soyez propres. Chic. Amen. C'est tout ça que je vais enseigner. Allez-y. Matthieu 21, verset 18. Écoutez très bien. Nous sommes en train d'introduire le thème du séminaire. Amen. Jésus s'approche et leur dit. J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va comparer les deux versions. Ça, c'est la version parole de vie et la version du second. Allons-y. Jésus s'est approché. Il s'est approché. Leur parla. Ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, allons-y, le verset 19. C'est ça? 19, oui. Allez, faites de tout. Alléluia! Que Dieu te bénisse. Il faut que tout pouvoir m'a été donné. Allez! Allons-y. Le verset 18. Le verset 19, je fais très bien. J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples. Allez chez tous les peuples. Pour que les gens deviennent. Oui, pour que vous démontrez cette puissance-là. Comme tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, moi je vous envoie vers les peuples pour qu'ils deviennent mes disciples en leur démontrant cette puissance. Et après sa résurrection,
quand Jésus-Christ a fait 40 jours à ses disciples, je vous dis la vérité, Jésus a fait 40 jours à ses disciples, il y a des choses qu'il a dit aux disciples, ce n'est pas dit dans le script. Il y a des secrets qu'il a donné aux disciples. Maintenant, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc je vais décortiquer pendant cette retraite le pouvoir du ciel et le pouvoir de la terre. Il y a le pouvoir de la terre, il y a le pouvoir du ciel et la terre. Le pouvoir du ciel, c'est le pouvoir spirituel et de la terre. Je vais t'expliquer comment avoir le pouvoir quand on appelle l'argent. Parce que si tu as l'argent, tu as le pouvoir. Il y a dedans le pouvoir. Si tu as l'argent, tu domines. Il y a des choses que vous avez besoin de savoir. Il y a du tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, je vous envoie. Allez, montrez aux gens, allez. Je vais montrer cette puissance. Allez, démontrer aux gens que je suis ressuscité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Le pouvoir et l'autorité du chrétien. C'est le thème de la retraite. La maladie ne doit pas dominer tes poumons. La maladie ne doit plus être maître sur toi. L'esprit de la sorcellerie ne doit pas être maître sur toi. C'est toi qui dois dominer la sorcellerie. C'est toi qui dois les écraser. Oui, parce que Dieu t'a appelé à dominer. C'est pas elle qui doit dominer. C'est toi qui dois travailler. C'est moi qui décide la sorte que je vais faire soit graine, ça dépend de moi. Il veut faire soit arachide, c'est moi. Il veut faire soit copain, c'est moi. Le pouvoir que tu as, toi, c'est toi qui l'as décidé de toi. Tu veux te marier, tout dépend de toi. Tu peux. Je te donner le secret. Le monsieur va venir te prendre. Tu dis c'est ma femme. Là, tu diras que c'est mon mari. Et tu te reconnais en lui. Quel gars bizarre qui tourne autour de toi. Dégage. Tu me regardes en chérissant. Même si on dit il n'est pas, toi tu me ressens. Dégage. C'est toi comme ça, tu vas venir me dire, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est à moi que tu dis ça. Dégage, je suis une princesse. Allez, dégage. Je ne ressens pas, tu dis, s'il te plaît. Rien ne me plaît. Allez, dégage. Vous laissez n'importe qui vous jouez, vous. Moi, tu ne dis rien, tu n'es rien devant moi. Tout le monde vous embrasse. Il met sa bouche sur toi. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le. Pourquoi le connaître en toi? Dis comme ça, il vient t'embrasser. Dégage. Tu le regardes en haut. Jusqu'en bas. Amen. Amen. Tout dépend de toi. Tu as l'argent dans la poche. Tu vas au marché. C'est toi qui as décidé la sauce. Tout l'argent, le pouvoir est là. C'est là. C'est toi qui dois décider. Amen. Je vais vous montrer les secrets. Vous devez connaître des choses. Amen. Amen. Des choses. Si vous maîtrisez des choses, les choses ne pourront pas, certaines choses ne vont pas vous arriver. Non. Amen. Amen. Non. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Jésus dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Dis Amen. C'est lui qui nous a choisi. Pour nous établir. Pour nous établir. Ah oui. C'est pas un jeu. Il est écrit le christianisme. Jésus dit tout accompli. Son sang a été vidé de son corps. C'est pas un amusement. Il est écrit Amen. Amen. Tu as le pouvoir. Amen. Il y a quelqu'un, tu as le pouvoir. Amen. Amen. Ça dépend de comment tu l'utilises. Amen. 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 Ça dépend de comment tu l'utilises. Il y a beaucoup de choses à vous montrer. Amen. Donc, je viens d'introduire l'enseignement. Tout pouvoir m'a été donné
je vous envoie. Matthieu 28, à partir du verset 18. Tout pouvoir, avant de parler, d'aller aller évangéliser là, il dit tout pouvoir m'a été donné d'abord le ciel et sur la terre. Je vous envoie. Amen. Vous avez le pouvoir de dominer votre maison, de dominer les choses de votre champ, de votre service, de dominer, c'est la connaissance que tu ne as pas. Ce sera que les choses vous dominent. Pourquoi toi t'es là en train de dominer des chiens, ces chiens qui te poussent dans la nuit? Quoi, il a d'abord. Un chien peut te pousser. Il a mis, il a mis qu'il est grand. Hein? Et puis bœuf te pousser. Mais qu'il est grand. Puis tu cries, ah, bœuf te pousser. Bœuf. Bœuf. Mais qu'il est grand. Tu dois connaître des choses. Il est là, il est radical. La Bible dit que parfois de connaissance, on peut périr. Le seul problème, c'est qu'on t'a équipé, on t'a parlé du ciel. T'as péché, ça c'est vrai. Mais on t'a pas montré comment exercer ton autorité, ton pouvoir. Oui, oui, amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as un pouvoir, toi. Le pouvoir le plus puissant, c'est de délier le lié. Détiens ça. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. On dit amen. Amen. On peut acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est toi qui dois être le meilleur de ta génération. Amen. Oui, ça c'est important. Il faut que tu sois le meilleur. Oui. J'ai dit à Jésus, le jour où je vais mourir pauvre. D'ailleurs, mais je ne vais pas mourir pauvre. C'est moi qui ai monté une deuxième rébellion dans le ciel. Allez, tu mens. Pourquoi? Parce qu'on dit, lui, de riche qu'il était, il était pauvre. Que si je crois en lui, je suis riche. La chose que je déteste sur la terre, c'est la pauvreté. Elle s'envoie sur celui. Un pauvre, c'est la bonne pensée. Va dormir. Tu ne dors pas la nuit, tu penses seulement. Ça partit de la pensée vient la sorcellerie. Amen. 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 Il y a beaucoup de choses que vous avez besoin de connaître. Amen. La Bible dit que vous serez heureux. Vous pouvez tous les mettre en pratique. Okay. C'est la pratique qui est importante. Ah, il dit ne vous bornez pas seulement à écouter, mais on va les mettre en pratique. Mais c'est ça le problème, c'est que vous bornez seulement à écouter la parole, mais vous ne les mettez pas en pratique. Vous ne mettez pas en pratique, c'est ça que les gens jouent avec vous. Toi, tu vas venir parler ici. Alléluia. Ah. Non, il y a des choses quand tu touches ma sensibilité. Il y a des choses quand tu as touché. Je suis obligé d'envoyer un esprit sur toi. Non, il n'y a pas fait des rancunes. Lisez Nahum chapitre 2. Nahum 2, je vais vous expliquer quelque chose. Dans l'Ancien Testament, les petits prophètes. Amen. Il y a plein d'âmes ici. Je lui dis, elle est sorcière. Elle m'insulte. Dans le salon ici. Je lui dis, madame, ça arrivait là-bas. Elle dit, ça a dépassé là-bas. Je lui descends. Elle ne s'arrête pas, elle m'insulte dans le village. J'envoie un esprit contre elle. Quand elle regarde de l'eau, qu'elle mange, elle voit ça comme de feu. De l'eau classique. Elle demande la petite feu. Le fou blé. Il suffit de chercher à filmer son corps. Le humain doit offrir une photo de gars. Oui, tout le monde sait ça ici. Oui. Elle est amusement. Tout le monde sait. Ça, je vais vous le dire à Sakaou. Il y a des choses, il ne faut pas me dire. Non, il y a des choses. Non, il y a des choses, il ne faut pas me dire. Si on s'est dit, il est ta voix. Parce qu'il y a le pouvoir. Parce qu'il y a une tête, il y a un croyant. Je ne sais pas n'importe qui tu vas venir parler. Si tu veux. Je ne dis rien. Mais il y a quelque chose de parole. J'ai ordonné à des choses de venir sur toi. Et ça va te prendre. Si ça vient vite, on dit c'est crasso. Mais ça va te surprendre. Et puis toi, tu commences à te dégrader. Ça va te faire tomber. Je connais ça.
le pouvoir de lier et de délier. Vous jouez avec ça. Vous savez que ton mari te trompe. Il ne savait pas qu'il avait le pouvoir d'aller délier vos maris. Il va chez la petite, ça ne se met pas. Si ça se lève, il va faire. C'est fait là, il va faire. Ça, la femme, il dit 14. Quand la mère, il voit, ça ne fait pas là, il va retourner. Oh non, non, il y a un. Il y a un film comme ça, les gourous là, où le monsieur est parti chez une famille. Il s'est déshabillé, il s'est fait. Il essaie de retourner chez sa femme. Il faut demander pardon. Lui, t'as pris là pour aller prendre un médicament, maladie dehors, venir te donner. Amen. Moi aussi, tu me trompes, c'est collé. Vous allez vous coller, moi, il y a une fois ça. Coller. Mais pas un marabout fait ça. Ça marche. Toi, tu vas faire ça. Un marabout, moi, il est marié, tu allais me tromper. Non, mon nid, il est capable de vous coller. Coller. Il est venu te dire. Ozoa, c'est à moi, ça fait ça, Ozoa. Et loi. C'est moi. Merci. Ozoa. Vous allez vous coller. Il y a des choses, c'est pas fait de gêne. Non, j'ai gêné, Seigneur, là. Mon mari, il me trompe, il avait chez la petite. Mais le jeune vient. Si, il fait ça. On n'est pas démélangé. La petite, le jeune de la tête jusqu'aux orteils. On bat de l'eau, il bat. C'est qui t'a dit de faire la petite tête? Quand le monsieur met te voir en connerie. On l'a mari. Dis, il ne faut pas ça se lever. Si ça se lève, pas là, si ça se lève, il va faire. Elle est Dieu, elle est Dieu. Tu n'as pas prié. Allez, dis-lui, essaye. Non, Seigneur, j'ai des prix. Mon Dieu, mon foyer. Seigneur, mon Dieu, mon foyer. Au secours. Au secours. Non. Il faut toucher la chose. Parle. Zéhi va travailler, il s'est battu. Mais lui. Vous connaissez les secrets, petits secrets. Amen. Amen. Le jour l'essayer net, ça meurt. C'est à toi, ça doit marcher. C'est pas ça? Mais si ça se lève, il va faire. Il est dit la vérité. C'est comme ça. Quand ça se lève, il va faire. Si c'est éteint, il va faire quoi? Il va voir la vie. Tu vas rester à la maison. Amen. Je n'ai prié, je gêne. J'ai gêné pour mon foyer, mon mari me trompe. Vous n'avez pas fait votre prière. Mais une si ça. Je vais te montrer comment faire mes là. Je vais te montrer. Les doivent montrer. Amen. Moi, je suis là pour montrer les choses. Amen. Je suis là pour montrer les choses. Vous êtes là, vous faites les prières bizarres.